Bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir comment démarrer une prise de poste commerciale pour générer du business rapidement. Avant, si ça n'est pas déjà fait, cliquez ci-dessous pour vous abonner et sur la petite cloche pour être notifié à chaque nouvelle vidéo publiée. Alors quand on démarre une prise de poste commerciale, effectivement, il faut éviter de s'éparpiller et avec la multitude de tâches à effectuer, ça peut rapidement être le cas. L'idée est d'aller générer rapidement un effet boule de neige qui va pouvoir activer les ventes et générer un cercle vertueux permettant eh bien, déjà de passer la période d'essai, dirons-nous, et puis de pouvoir ensuite, une fois que le business commence à tourner, se concentrer sur d'autres aspects d'organisation et d'optimisation. Mais déjà, voilà, on va commencer par faire tomber le plus gros domino en premier et voir comment aller chercher du business rapidement en trois conseils concrets. Première clé, tout dépend si vous allez eh bien, démarrer sur un portefeuille client existant et que vous reprenez ou si vous démarrez de zéro, d'une page blanche et que vous devez justement aller chercher de la clientèle et puis ensuite développer un portefeuille client. Donc, le premier conseil, c'est de faire un état des lieux de l'existant. Effectivement, si vous avez un portefeuille client existant, ça ne veut pas dire que ça sera forcément plus facile puisqu'on va vous fixer des objectifs en conséquence de développement. Mais déjà, voilà, on part sur une base existante, on part sur des actifs. Et ces actifs, il faut les évaluer, donc faire un petit tour rapidement et regarder eh bien, combien les clients pèsent. Essayer de classifier en fin de compte les 20-80, c'est-à-dire les 20% de clients qui génèrent 80% du business. Et ensuite le reste, donc essayer peut-être de catégoriser en fonction du chiffre d'affaires à générer, mais également du chiffre d'affaires potentiel. C'est le business existant qui est généré, mais également le potentiel de développement qui est important, parce que peut-être que sur certains clients stratégiques, certains clients grands comptes, on génère au final assez peu de business et qu'on pourrait, avec un plan d'action commercial ciblé, arriver à développer rapidement et à faire le double, le triple de ventes avec un seul et même client. Donc il faut arriver à prendre un petit peu de recul et à faire ce bilan de l'existant, voir combien on réalise sur chacun des clients, combien on pourrait potentiellement réaliser par rapport eh bien, voilà, à votre expertise, voilà, une analyse de la concurrence, une analyse des parts de marché qui sont réalisées avec la concurrence, et donc tout simplement en regardant eh bien, combien on pourrait aller chercher avec un plan d'action commercial agressif ou proactif, dirons-nous. Et ensuite, également, eh bien, le temps. Je vous invite à regarder sur le portefeuille client, donc le chiffre d'affaires à générer, mais par rapport au temps passé. Le temps passé donc en service après-vente, le temps passé en livraison des commandes, le temps passé en SAV, le temps passé en nombre de visites, si c'est effectivement un business régulier que vous avez, donc en B2B avec des cibles stratégiques. Donc tout simplement pour arriver à calculer en fin de compte le chiffre d'affaires divisé par le temps passé, la rentabilité des actions commerciales menées avec chaque client. Et donc ça va vous permettre effectivement ensuite, on le verra par la suite, de dresser des actions commerciales stratégiques. Deuxième axe, donc si vous démarrez d'une page blanche, le but du jeu, ça va être de déterminer eh bien, combien vous avez de clients potentiels par rapport aux produits et services que vous vendez. Donc analyse rapide du marché, qui a besoin de vos produits et services, quelles sont les cibles facilement identifiables, quel est le business potentiel que vous pouvez générer, et donc arriver à dresser un listing de cibles stratégiques que vous allez pouvoir prospecter, sur lesquels vous allez pouvoir mener des actions stratégiques. Ça, c'est le béaba pour démarrer. Deuxième levier, identifier eh bien, qui sont les clients de la concurrence. L'idée, effectivement, pour aller rapidement générer du business, c'est de trouver des clients qui achètent déjà les produits ou services que vous commercialisez. Donc, quoi de mieux que d'aller regarder qui sont les clients de la concurrence et pourquoi pas, rapidement, au travers, par la suite, une analyse de benchmarking par rapport à votre positionnement concurrentiel et vos avantages compétitifs, identifier des cibles que vous pourrez directement attaquer pour générer du business rapide. Donc, eh bien, ça passe, vous pouvez faire cette analyse en recherchant sur Internet rapidement. Sur les entreprises, on a souvent des logos, des références clients. Ça peut être également en regardant sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn ou autre. Effectivement, on peut avoir des références, des témoignages clients.
donc site internet, réseaux sociaux comme LinkedIn. Ça peut être également, eh bien, en vous faisant passer pour un client potentiel, eh bien, vous pouvez tout simplement faire une demande de devis ou une demande de démonstration sur le site internet de l'entreprise ou en contactant sur les réseaux. Et si vous ne souhaitez pas être rapidement et facilement identifiable, eh bien, utilisez quelqu'un de votre entourage proche, votre famille, un collègue ou un ami pour faire cette demande et récupérer de l'information stratégique. Demandez éventuellement au commercial qui cherche à vous vendre la solution qui sont ses références clients, avec qui travaille-t-il, et ça vous permettra d'identifier une shortlist de clients stratégiques que vous pourrez aller identifier pour savoir eh bien, s'ils sont satisfaits, quels seraient les axes d'amélioration, qu'est-ce qui les amènerait à travailler avec quelqu'un d'autre et pourquoi. Et là, vous avez facilement voilà, des cibles sur lesquelles vous allez pouvoir adresser des actions commerciales stratégiques. Je ne vous dis pas que ça va marcher forcément à 100%, mais vous avez un plan d'action qui commence à se dessiner et qui est hyper efficace en prise de poste commercial. Et donc, troisième levier, naturellement, eh bien, c'est d'établir un plan d'action commercial qui soit sur mesure, qui soit calibré, par rapport à ces cibles stratégiques qu'on a préalablement identifiées. Et donc, ça va être quoi? Ça va être, comme je vous l'ai dit, d'identifier un angle d'attaque, un plan d'action sur mesure. Donc, ben, ça va dépendre, bien évidemment, si vous avez un portefeuille de clients existants, qu'est-ce que vous pourriez faire? Quel est l'historique client? Qu'est-ce qu'ils achètent déjà? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour générer de la vente additionnelle, donc de l'upsell, du cross-sell, pour aller développer la valeur par client et faire en sorte de rapidement eh bien, faire grossir cette boule de neige? Si vous n'avez pas de portefeuille client existant sur lequel vous appuyez, eh bien, comme on l'a vu sur les clients potentiels, bah, qu'est-ce que vous pourriez, par rapport à votre positionnement concurrentiel, par rapport à votre proposition de valeur, qu'est-ce que vous pourriez aller rapidement leur proposer par rapport à leur contexte, leurs besoins, leurs objectifs, par rapport à toutes les informations que vous pouvez recueillir sur Internet. Si c'est des clients de la concurrence, eh bien, comme je vous l'ai dit, allez chercher eh bien, quel est leur degré de satisfaction par rapport à l'offre de services qu'ils ont actuellement. Quels sont les axes d'amélioration? Qu'est-ce qui les ferait changer? Et là, charge à vous d'identifier un premier produit ou service, un angle d'attaque qui vous permettrait de rentrer par la petite porte pour ensuite pouvoir développer le business, comme on l'a vu, par de la vente additionnelle ou complémentaire, ou de la vente croisée, de l'upsell, du cross-sell, et donc de pouvoir faire grossir la boule de neige, de pouvoir développer le business par la suite. Voilà, vous avez trois actions concrètes stratégiques qui peuvent vous permettre, en prise de poste commercial, de démarrer, de prendre un raccourci en mode 20-80, encore une fois, avec les 20% d'actions commerciales qui génèrent 80% du résultat. Voilà, si cette vidéo vous a plu, eh bien, cliquez sur « J'aime », cliquez sur le « i » comme info pour aller plus loin et télécharger le guide PDF des 8 piliers de l'efficacité commerciale pour muscler votre jeu de jambes.